Une bonne position pour commencer ce cours de stretching. Allongez-vous sur le tapis. Hop, je descends ça. Méditation. Dit pour la France ou quoi? Oui. Bleu, blanc, rouge. Hop. Ta mère, elle a réfléchi, on cherche. Je pourrais en faire trois. Peut-être qu'il en faut trois, mais je vais écrire sur le groupe, franchement. Mais dès que tu as accepté, j'écris. Il était beau. Salut Brigitte, tu te montres? Non. Voilà, elle est en position de sieste. Je vois juste le bout du... Ah, salut. Position de sieste. Le bout des pieds. Elle avait le plaid sur elle. Ah, ok. Par contre, la course à pied, ça va. Hein, ben, on rentre d'être allé courir là. C'est pour ça qu'on est en a froid. Ah, magnifique. Allez. Elle a reconnu mes pieds. Et c'est sympa quand même de reconnaître ses pieds. Ouais, alors, merci. C'est quoi ce beau tapis? C'est nouveau? Oh, c'est formidable. Tu t'imagines bien, ça. C'est doux. C'est... Oh là là. Allez, montez les bras au-dessus de votre tête. Grandissez-vous, tirez sur les pieds. On a même reconnu le nouveau tapis et tout. C'est... T'as vu, formidable. Elle a été courir, elle aussi. T'as été courir, Anne? T'as coupé le micro? T'as coupé ton micro? Non, pas cette semaine, je vais y aller ce week-end. D'accord. Mais j'ai souffert la semaine dernière avec le froid, là. J'ai pas aimé ce... Ouais, bof, j'étais... Ah oui, ça, c'était terrible. Ouais. Je te le fais pas dire. Non. Avec la pluie, c'est pas... T'as même pas allumé les lumières? Encore, mais trop. On te voit pas, hein? Ah si, je suis en train de... Il y a comme une lumière qui brûle l'écran. Ouais, mais je vais pas. Allez, vous allez essayer d'accentuer votre cambrure lombaire en poussant le plus possible votre buste vers le plafond. Ça va décoller ici, le bas de votre dos. Et on relâche. Et on reprend, accentuer. Relâcher. Dernière fois. Et replacez-vous. Écartez légèrement les jambes. On a les pointes de pied tirées. Tu vois le pied de poule, il y a toi qui sais pas. Ouais, non, de culture. Ouais, ça c'est vrai, hein, parce que nous, on a tout de suite compris, ta mère aussi. Refermez, c'est une génération, refermez vos pieds, faites glisser les pieds en direction de vos fessiers, écartez les genoux sur l'extérieur. Ta mère, elle a même dit que c'était chic. Ouais, elle doit t'entendre. Ah non, je vais venir avec toi l'acheter. Ah mais non, tu peux pas essayer sur place. Quoi? Tu peux pas essayer sur place. Ah si. Ouais. Ah, si. Vous faites une petite bascule avec vos genoux sur le côté. Vous relâchez le plus possible. Essayez d'être détendu sur le bas du corps. D'accord. Ah, il faut y aller avant mercredi. Parce que mercredi, c'est les presse-folles. Ah oui. C'est bien. Je vais mettre un truc. Flexibilité. On est là, on met quoi comme flexibilité. Je pense. Si, tu peux y aller. Bon. Oui, quand tu tricotais. Vélo, marche, randonnée, danse, flexibilité. Les deux en même temps en papillon, vous faites des mouvements vers l'extérieur. Attention, c'est parti. Oh, ça va très vite. 20 calories de moins. Merci. Merde, je te disais quoi? Qu'il fallait qu'on aille essayer avant de passer. Ouais, mais c'était pas ça. Parfait. Relâchez les deux genoux doucement l'un contre l'autre. Gardez votre pied gauche au sol et rapprochez votre genou droit de la poitrine. Et terminé. Oui. Et maintenant, je ne peux pas. Mais non, tu m'as toujours pas tiré. Pourquoi t'as ramené un tapis? T'en avais laissé un. Mais non, je ne l'ai pas ramené. Il a été. Il a été. Il a été. Ah,
ferme. Je vais pas faire confiance. Là, quand il fait froid, je n'ai pas d'envie. Allez, serrez fort le genou sur la poitrine. C'est Marie qu'on voit plus non plus le midi. Non. Non, c'est clair. Attrapez vos orteils. Essayez de tendre votre jambe. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous restez dans la position jambe fléchie. Vous tirez sur vos orteils pour revenir étirer un petit peu l'arrière. Et quand vous êtes bien, vous cherchez à tendre. Est-ce que tu vois, il y a une boule là. Je te jure. Oui. Mais j'ai une boule là. Lui, il ne peut pas se tirer. Il y a une boule. Et là, c'est que tu... Tu sens pas une boule, toi? Non, ça fait trop. Ah oui, ça fait une boule. Tu veux dire, qu'il y a un problème. Je te l'avais dit que j'avais un problème. Je le savais. Tu vas me toucher, je vais te toucher, ça va? Ouais, on va se toucher. Mais ça fait que dans cette position-là. Oui, ça me fait un gros là. Moi, ça me fait une boule, hein, je te le dis. Oh. Voilà. C'était le temps idéal pour courir. Voilà. Oh, il y a un oiseau qui va passer. Allez, tirez bien sur les orteils. Hein. Cherchez à vraiment relâcher l'ensemble de la cuisse. Vous faites attention à ne pas écarter votre genou gauche. Vous ouvrez votre jambe droite sur le côté droit. La jambe gauche, elle reste vers le plafond. Le genou gauche. Donc là, on a essayé d'écarter sur l'extérieur pour venir chercher l'étirement au niveau de vos adducteurs. C'est bizarre que Anne fasse le stretching. Elle ne fait jamais d'habitude. Si elle faisait, mais non, bon. Pareil, si vous n'arrivez pas à tendre votre jambe ou du moins si vous avez manque de souplesse, vous pouvez attraper votre cheville ou l'arrière de votre genou. Je vais corriger le commentaire. On ouvre sur le côté. Hein. On est bien écarté sur le côté. Le pied, il est en direction du sol. Bah, il n'y va pas. C'est marrant, toi. Non, c'est pas possible, ça. Mais si tu me gâches, arrête. Ah non, mais j'ai tenu jusqu'au bout de la tête. Ça. Tu m'as fait chier jusqu'au bout. Je reviens pas. C'est une zone de la raconte à l'eau. J'aurais jamais cru qu'un jour tu me ferais ce coup-là. J'ai de l'arrêter en fait. Et moralement, j'étais arrivée. Elle me dit non, encore un truc. Dans la tête, ça a été horrible. Tu vois ce que je subis, hein? C'est tout pour ça. Ouais. Non, tu subis pas ça. Moi, je suis gentille. Je ralentis et tout, je t'ai accéléré. Pliez doucement votre jambe, rapprochez le talon vers la fesse. Doucement, refermez le genou dans l'axe et posez votre cheville droite sur votre genou gauche. Oh. Écartez le genou, poussez avec votre bras droit dans un premier temps, restez bien votre pied gauche au sol. Là, on exerce juste une pression sur le genou. Oh, regarde. Mais je ne l'ai pas vu. Mais le deuxième. Allez. Je l'ai vu. Il est peut-être sous le truc noir. Ah bon. Ils ont allongé, non? Ouais. Moi, je ne peux pas le dire en ce moment. J'adore faire acheter, je vais en rêver d'acheter. Relâchez doucement votre main et passez les deux mains à l'arrière de votre cuisse gauche. La jambe reste fléchie, vous rapprochez votre genou gauche de la poitrine en essayant de garder exactement l'exercice qu'on a fait avant, le genou droit vers l'extérieur. Quand on sera là, c'est quoi? Ça demande trop de concentration. Des fois, quand tu fais... Il faut calculer de 4 rangs plus haut, tout ça. Ah oui. Mais il ne faut pas faire autre chose. Ah ouais, mais moi je fais autre chose. Ah ben oui. Là par exemple, même me parler, alors j'arrive à parler, je me suis trompée. Ah ouais, je pense que ce serait pas mieux. Parce que là, il faut suivre maille à maille. Mais comme Denis, pas toi. Mais Denis, moi je me ferais lire le truc.
Je lui apprendrai les symboles. Ah, mais en plus, c'est souvent de symboles. Ah ben oui. Oh là là. Il lui irait acheter un truc de l'endroit. Comme ça, j'aurais pas besoin de lire. Ce serait formidable. Il devrait faire des parlants d'art, ouais. Ouais. Tu sais, c'est une cassette vidéo, quoi. Pour les aveugles. Pour les aveugles. Il devrait faire. Quand je pense que la laine que tu leur seras la semaine prochaine, et que le petit, il n'a toujours pas son truc. Ok, voilà, je dis demain. Posez votre pied gauche et venez placer les deux genoux sur le côté droit, en gardant bien votre cheville sur votre genou. Moi, j'ai perdu 29 calories. Les épaules restent bien sur le tapis. Les épaules, moi aussi. Ouais, les épaules sur le tapis. Ouais, moi, je ne tape pas du tout les épaules. Non, je tape. Aïe, aïe, aïe. On essaye du moins de rester les deux épaules sur le tapis. J'essaie de rectifier un peu. Je pourrais faire 3 cours de stretching parce que moi, ça m'endort. Ce soir, tu seras au fait. T'as pour regarder aussi si tu vois les commentaires, puisqu'elle les voit. Et non, non. Remontez doucement et allez chercher de l'autre côté. Elle est très contente de vos commentaires. Donc là, vous essayez de relâcher votre genou droit sur le côté gauche et vous allez regarder avec la tête sur le côté droit. Placez votre main gauche sur votre genou droit pour accentuer l'étirement. Laisse-nous dormir. Les pieds, les pieds. Les pieds, ils sont cool. Toi, t'as plus les pieds. Ouais. Je suis bien. Bon. On dort. Il n'y a plus de lumière là. Bientôt on va coucher. Ça fait mal là. La fesse. Ouais. Ouais. Replacez doucement votre tête. Remontez doucement les deux genoux dans l'axe. Reposez votre pied droit au sol et relâchez le genou gauche sur la poitrine. Pied droit reste sur le tapis. Parfait. Très bien. Allez, pensez à respirer le plus possible pour vous relâcher. Tu veux me retourner, tu vas dormir. Allez, rappelez-vous la suite, vous attrapez vos pieds. Vous essayez de pousser le plus possible les orteils vers le visage, le talon vers le ciel. Je ne sais pas où je le prends. Alors là. Allez, tirez sur vos pieds. Et si vous pouvez, vous tendez votre jambe. Là, ça fait mal au niveau du nez quand même. C'est dur, là. Mais il n'y a pas de boule. Ça ne fait pas rond comme l'autre. Ouais, je pense que j'ai bien. Et c'est décroché. Là, j'aimerais bien que j'ai un truc parce que là, je vous en verrai. Je dirais, mais voyez, vous n'avez même pas eu de pitié. Alors que j'ai un gros problème. Peut-être que tu as un kyste sculambien. Voilà. C'est possible. Allez, tirez bien sur les orteils. Essayez de sentir que votre talon, il va vraiment vers le haut et vos orteils vers le bas pour chercher l'étirement plutôt sur les mollets. Et si vous avez la jambe tendue, ça défendra jusqu'aux ischios. Je vais les toucher. Pardon? Bien, tu vois. C'est troué, tu vois. Tu devrais voir. Non, quand même, là. Là, c'est un peu gros. Ah oui, mais là, c'est là. Ah oui, moi, je ne peux pas si bas.
Je parle là, là. Il est plus prononcé à droite, d'ailleurs. Parce que là, aussi, hein, on découvre les ischio-jambiers. Là aussi, il y a un creux. Là, c'est plus... Tu me souviens quand tu veux dire? Ouais, beaucoup. C'est pour ça que je me demande si c'est du muscle, vraiment. C'est bizarre, quand même. Allez, doucement écarté sur le côté, sans bouger votre genou droit. Rappelez-vous l'option, hein. Je prends le talon, la cheville arrière du genou, en fonction de votre souplesse. Allez, on écarte sur l'extérieur pour venir chercher l'étirement sur les terres des cuisses. J'ai mal partout. Je fais au mieux. Alors, continue. Tu vois, j'ai mal pas mal aussi. Et toi, je me concentre. Concentrez-vous bien. Allez, relâchez doucement. Venez placer votre cheville gauche sur votre genou droit et avec votre main gauche, vous poussez le genou sur l'extérieur. Ah. Ouais, je sais pas, moi. Il y a un autre tien. Ma mec qui vient de mettre. Et il était très inquiet qu'il vienne pas parce qu'il y avait la mèche. Il est arrêté de bloquer. T'as entendu ça? Non. L'est. Non. Je comme les autres. Je vais regarder le fond. Et donc, après, il y a bien je ne sais pas trop, je ne sais pas très. Il faut qu'il y ait encore un état. Oui, le travail est à droite. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il faut que je m'endochisse. Sinon, je peux plier, tu veux dire. Tu as raison. Je peux plus faire. Il faut que tu me mettes. Ça t'a pas gêné quand on continue à le prendre tout droit de sortir pour sortir bien. Là, tu nous fais ricaner un peu. C'est vrai. De 18 oh, ans. Mais j'avais dit, excuse-moi. Ouais. Lequel okay. Tu allais faire des coups. Ah, c'est des forces, là, tu vois. Ok, relâchez doucement, gardez bien votre genou gauche ouvert, passez les deux mains sous votre genou droit. Oui, il y a des attestations qui existent encore. Des attestations. Ouais. Des attestations. Oui, mon profond. Allez, vous essayez de bien rapprocher le genou droit de la poitrine. Il est plus court aussi. Et le gauche ouvert. T'as droit au travail, je crois. Aller chez le médecin. Le médecin, ouais, il y a autre chose aussi. Oh, il y a trois trucs. Non, non. Est-ce que tu parles de droit? T'as le droit de promener ton chien aussi. Ah, ah bah, merci, Anne. Ah, ben, je te mettrai en laisse. Oui, il faut. Moi. Et Anne a dit oui. Non, mais Anne, dis donc. Tu veux, je ferai le chien. Tu feras le petit chien. C'est Anne qui se propose de faire le chien, hein, pas moi. Non, mais toi, c'est grand, ça ira bien. T'es pas trop. Pour pouvoir sortir. Voilà. Après 18h. Ouais. Et puis, une fois qu'on est. Le reste de la journée, on est au boulot. Tu parles. Ils ont rien. Et dans l'endroit où tu ne risques plus rien, tu te relèves. Ouais. Tu me relèves parce que tu vois comment. Elle est folle. Je vais acheter un chien. Oh, c'est fatigant ça, hein, les téléphones pendant les cours. C'est pas très bon. Ah, tu vois, je savais qu'il y avait un mais oui, les fameux chiens, ils ont tous ces chiens. Ah, mais moi j'en achète un. Hein. Après, je l'abandonne. Allez, voilà, j'ai doucement. Hop, on passe de pied. Sur le côté. Non, c'est fatigant là, hein, tes messages. Comment on fait là? On va de quel côté? Sur le côté droit, vous allez. D'accord. Très bien. Ça sonne dans tous les sens. Mais c'est toi, hein? T'as plein d'amis. Ça m'étonne. Ah, j'ai eu un bon coup au pied. L'autre jour, j'ai mis le truc dans les oreilles pour courir.
Ah oui, alors? Mais eh bien, c'est très bien. Il m'a changé les embouts. Mais ce que je veux dire, c'est que... Comment tu prends de la musique si tu n'as pas les disques? Comment tu peux mettre... Oh non, c'est fatigant, moi je te supprime ton téléphone. Hein. Mais non, mais ça ne s'enlève pas les bip là. C'est, une fois que je ne les ai pas lus, ça ne s'enlève plus. Ah bon? Non. Comment tu mets de la musique si tu n'en es pas propriétaire? Si tu n'as pas le disque? Tu ne peux pas prendre de... Mais c'est enregistré sur ton truc. N'hésitez pas à placer votre main droite sur votre genou gauche hein, pour accentuer un peu les charmes. Tu ne peux pas prendre de 10 heures. Tu comprends? Alors, hein? Ah non, là c'est avec les musiques que tu as enregistrées sur ton... Eh bien voilà. Ton ordi déjà. Donc, et les seules qui sont enregistrées, c'est les disques que j'ai. Et ça me saoule quoi d'avoir que des... Ah là, oui. C'est pas très pratique hein, ça. Ouais. Et tu aurais dû demander à Alexa, tiens j'ai reçu un mail comme quoi elle a plein de nouvelles fonctionnalités. Intéressant j'espère. Très intéressant. Mmh. Tu aurais dû demander des musiques de stretching. Elle le sait faire, ça y est. Ouais, c'est tu lui as fait de la faire à l'usage. Ah mais non, mais on m'a dit que c'est automatique. D'accord. Mais là on ne voit plus, c'est nous. Tu devrais éclairer. Ok, relâchez la tête, relâchez doucement les genoux dans l'axe. Hop. Et tombez les jambes de l'autre côté. Hop. Appuyez avec votre talon gauche sur votre genou droit. Ça va? Ça va. Je sais pas, tu cries. Ben oui, je suis mal. J'ai froid. J'ai une couverture, un plaid. Un plaid, tout. Un oreiller. Comment vous avez? Ben, j'ai pris la couverture comme oreiller. Ah oui. Donc, si vous avez une couverture, c'est pas très oreiller. Oh, la putain. Relâchez votre épaule droite de profil, puis venez vous mettre hop, allongé sur le côté, puis enfin allongez les jambes et placez-vous sur le ventre. Sur les avant-bras, oh, remontez votre buste. Je vais allumer la douche. Allez, réussis. Ventre rentré. C'est comme ça. Je dors, je fais comme ça. Et si vous pouvez vous tendre les bras pour remonter un peu du bas. Je ne pense pas. On dit à Denis de mettre souris et d'avant-bras. Moi, je fais comme ça. Oui, mais il faut que tu accentues un peu le travail. Denis, il avait le droit. Je ne peux pas accentuer. Après, ça me relève. Vous devez chercher l'étirement. Sur la tension abdominale, un petit peu sur le psoas, un peu plus bas, au niveau du bassin. Un peu tirer un peu aussi dans le dos. On n'a pas joué au ping-pong. La raclée que je remets. C'est du... Mais là, j'ai du perdre en plus. Et puis moi, mon œil. Moi, il m'envoie un message. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que t'as une jambe vieille de l'autre? Il se fout. Ça y est? Ah non. Mais je ne fais pas là. Mais si je... Relâchez la tête à l'avant pour repousser les fessiers. Vous venez poser les fessiers sur vos talons. On va louer un devant vous. Allez, on reste ici. On s'appuie. Aïe, aïe. Un peu de douce. La lumière fut. Ah oui, non, je ne sais pas. Je regarde si vous voulez, ça va être facile. Je vais vous regarder, je pense. Je vais vous regarder. Oui, mais c'est ça.
Allez, vous restez dans cette position, vous allez juste écarter les genoux sur l'extérieur. On s'agglisse tout seul. Justement, c'est pas bien. Très bien. Puis, une fois que vous avez ouvert les genoux, vous avancez un tout petit peu votre buste vers l'avant, ainsi que vos avant-bras. C'est le muscle. Ah, voilà, là ça glisse. C'était pas rien, hein. Je suis en position très indélicate. En tout cas, moi j'ai vu sur tes fesses, Brigitte. Ah, bah, bravo. J'ai fait un écart comme je sais pas quoi là. Ah oui. Comment ça se fait qu'elle voit mes fesses alors? Ben, je sais pas, j'ai vu, t'es en premier plan. Non mais regarde les miennes, Anne, on les voit. Mais toi je te vois à la tête. Eh ben, je crois que c'est tes fesses. Et je vois ton grand pied aussi, Brigitte, avec la chaussette rouge. Ton grand pied, là. Oh. Oui. Le grand pied, tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mais voilà, l'arrêtez. Voilà. Merci, Anne, tu m'avais concentrée. Aïe, aïe, aïe. Alors, on est en position. Non, mais ça fait mal. Mais je sais bien. Aïe, j'ai crampes partout. C'est de la torture. Ah, ça y est. Ça y est, elle a tenu une demi-heure. C'est pas mal. Petit à petit, on y arrive. Ah, c'est bien, tu me calmes. Et en plus, tu peux glisser. Mais toi, tu peux glisser. Vous gardez bien les fessiers quand même vers l'arrière. Pourquoi quelque chose ne marche pas? Non? Ah bon? Ça rappelle? Ah oui, ça y est, c'était fait. Mais je pense que tu pousses tellement que tu reviens au fur et à mesure. Tu vas avoir tes queues dans mon visage. Je fais l'exercice en maximum. Ah ouais, à fond. Bon, mais là, ça fait un peu longtemps, hein, là. Il faut l'esquiver. Posez vos mains, redressez votre buste et refermez doucement vos genoux contre le tronc. Mais ça fait des douleurs. Si vous ne faites pas doucement, vous allez vite avoir mal. Posez votre pied vers le droit à côté de votre genou gauche. Pour attirer un peu le mollet. Ici, votre buste vient prendre appui sur votre cuisse droite. Avancez doucement votre buste en avant. Voilà, vous relâchez complètement votre poids du corps sur la cuisse et vous cherchez à descendre votre talon droit dans le sol. De quoi ? Ta poitrine, ça fait coincer un peu plus vite. Non, alors, remets-toi dans ce. Regarde, remets-toi comme ça. Mets ton pied à côté du genou. Voilà, mets ton buste complètement sur la, sur ton, ta cuisse. Et là, après, tu bascules en avant comme si tu voulais partir en roulant. Ah, voilà. Et dès que tu fais. Voilà. Et quand avance, 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 avance. Mais je vais tomber. Mais non. Et après, tu cherches à défendre ton talon dans le sol. Eh, ben, tu peux, c'est la chose. C'est là, pas vraiment pas. Bon, maintenant, j'ai un compliment. C'est grave que j'aime bien. J'ai pas de boule au mollet, moi, mais ça va. Je sens tellement que je ne peux pas faire. Mais si je fais ça, oui. Mais là, finalement, je ne peux pas faire. Non. Allez, tranquillement. Vous posez les mains, vous avancez votre pied droit toujours vers l'avant, le bassin en avant. Fléchissez votre jambe arrière pour venir attraper. Passe à ses soins. Pour ne pas faire de crampes, vous pouvez vous poser les fessiers ici pour attraper votre pied de derrière, pour ne pas créer de crampes au niveau de votre ischio jambier. Oh là là. Oh là là. Celui-là, c'est terrible. Oh, moi, je ne peux plus le monter. Oh là là. Le fessier de Brigitte. Excusez-la, j'arrive. 1, 2, 3, elle est là. Allez. C'est bon, il aura fallu 3 personnes. Attends, je vais tourner ça juste. Allez, essayez de garder votre bassin vers l'avant. Aïe, aïe, aïe. Super, soufflez bien, détendez-vous. Hein. On a pas mal. Ça, c'est dans la tête. Détendez-vous, je vais me chaud du coup. Moi, ouais. J'arrive pas. Hein. Non, mais je ne pars pas comme ça. Mais le fais pas. Oh.
Ah mais moi je prends. Tu prends quelle main? Celle qui. Ah, ça n'a pas d'importance la main. Du moment que tu tiens ton pied. D'accord. C'est très bon sur votre quadriceps, les filles. C'est excellent. Excellent. Ouais. Alors, si ça vous gêne, enfin, je vous montre d'autres options, mais continuez à rester à la position. Vous pouvez aussi le faire avec votre pied contre un mur. Vous essayez de rapprocher le plus possible votre genou du mur. Hop, une fois que vous êtes ici, là, vous vous redressez. Et vous gardez bien votre bassin en rétroversion, donc le pubis vers l'avant, pas les fesses en arrière. D'accord, on reste ici. Et vous allez voir que là, ça va bien étirer. Et au fur et à mesure, en fait, on va chercher à se redresser le plus possible. Alors là, j'ai une petite flexion parce que le canapé est trop en arrière, mais... Mais tu sens quoi, là, la cuisse? Qu'est-ce que tu dois sentir? Ah oui, d'accord. Okay. Et pose pas de questions, ça va durer encore plus longtemps. Si vous le faites bien. Bah, je discute un peu, j'en ai marre d'être toute seule là, dans ma pièce. Mais après, elle reste des heures dans la même position. Si elle avait arrêté de parler, on aurait relâché maintenant. Brigitte. Relâchez doucement. Posez votre jambe de derrière devant. Ici, pour faire la même chose. Avec la bascule devant. Non. La bascule vers l'avant. Je suis d'accord avec toi, Anne. Oh ouais, j'en ai marre d'être toute seule. Là, je serais bienvenue avec vous sur le tapis, là. C'est formidable. Juste pour le tapis. Juste pour le tapis. Non, pour discuter aussi en même temps. Ça, c'est sûr que ça fait du bien. Oh là là. C'est lourd, hein. En même temps, il faut la supporter de près aussi. Hein. C'est ça. Et donc, le poids du corps bien vers l'avant, le talon qui descend, lui vers l'arrière. Ça me fait du bien, moi. Ça fait énormément de bien, ça. J'ai toujours mal quand je cours, là, derrière les mollets. Et... Tu fais tir à fin en finissant la course? Ouais. Ah, tu vois? Ouais, il faut. Ben oui, ben moi, je fais. Oui, mais surtout 30, 30, 30, 30, c'est passé. Ça va jamais. Mieux que rien, tout à fait. Regardez, c'est ici, si tu veux. Non, là, je suis bien là, je ne bouge plus. Oui, pourquoi il y a c'est le combat qui m'a dit. Allez, relâchez doucement. Avancez votre pied. Et on plie la jambe de derrière pour venir étirer le quadri. Ouf. Ah, hop, vous avez vu la deuxième solution dans cette position. Pour redresser votre buste. Là, je recule. Là, je recule dans le dos. Lequel? Mais je ne peux pas aller sous le canapé quand même. Et là, tu fais une bascule du bassin. Moi, j'ai installé un coussin sous le genou parce que ça fait vraiment trop mal, je trouve, à chaque fois. Tu peux le faire. Je triche du genou, quoi. Non, l'appui, effectivement, tu as tout à fait raison de mettre un renfort, mais tu peux effectivement tout à fait faire. Ça ne changera rien sur l'étirement que tu es en train de faire. Cool. Pas de souci. Là, le plus important pour accentuer le travail, vraiment, c'est de pousser le pubis vers l'avant et pas de tirer le sacrum vers l'arrière. Alors, attends. Okay. Alors, restez dans la position, hein, juste pour vous montrer. Là, ce que je vous demande, c'est de pousser ici, là. D'accord? Pas de laisser partir les fesses vers l'arrière, mais au contraire, de pousser le bassin vers l'avant. C'est pas ça, tu passes sur moi. J'ai le musculaire. Ouf. C'est pas ça la position, Bernadette. C'est un contre-cours. Si vous voulez suivre sur la France 2, vous avez un cours différent. Direct. Avec Bernadette. Ah, je crois que ça lui fait mal au doigt. Elle essaie de m'expliquer quelque chose. Allez, relâchez doucement. On repasse. Hop, assis sur le tapis. Assis-vous dans une position qui vous est confortable. Oh. C'est-à-dire pas allongé.
pas allongée, pas avachie, en tailleur, à genoux assis si vous préférez, j'entends du devant vous, comme vous le souhaitez. Le bas, m'importe, on va étirer un petit peu au niveau des cervicales et de la nuque. Vous allez pousser votre poitrine en avant, relâchez bien vos épaules. On ne voit pas trop avec mon pull, mais on étire le plus possible, omoplate en direction des fessiers. Attrapez vos genoux, poussez la poitrine en avant, montrez à nouveau. Gardez bien cette position, inclinez doucement, sans bouger vos épaules, la tête sur le côté droit. Vous gardez toujours mon regard devant vous. Si je veux fermer les yeux. Oui, mais il ne faut pas qu'il soit vers moi ton regard. Tu m'as attiré. J'ai vu les étoiles. Bon. Je veux dire, heureusement, je vais les fermer. Essayez de dégager encore plus votre épaule du côté opposé où vous avez incliné votre tête. Donc, si vous êtes incliné à droite, vous descendez plus votre épaule gauche. Et si vous êtes incliné du côté gauche, vous descendez bien votre épaule droite. Donc, ça tire sur le côté de votre tête. Hein. D'accord. Ouais. On a toujours le dos bien droit dégagé vers l'avant. On va penser à tout. Doucement, bonjour. Je suis venue comme ça. Tu mets un coussin sous tes fesses. Non, mais c'est vrai pour être mieux. Non, ça... Et de l'autre côté, dos droit toujours. Hein. Ça rend bien. Hey, les glaçons ne marchent plus. Ah. Je suis malade, je te jure. Ouais. Sans plus de glaçons. La tarte MCL, ça dit quoi du site ? Non, mais ça, c'est le site. Je te prends la tarte à la je vais donner une poêle. Poussez bien votre épaule opposée, rappelez-vous vers le sol pour accentuer encore plus l'étirement. Hein, vous êtes relâché complètement sur vos épaules, mais en direction du sol. Comment vu qu'il est relâché, si tu tires. Ça fait du bien, là. Oh. Je suis tout contractée. Non, mais relâchez détendu du corps, Raoul. Ok, relâchez, remontez doucement. Rien de se tenir droit, c'est un effort. La tête en avant. Vous allez placer vos deux mains à l'arrière de votre tête sans bouger votre buste. Il faut que vous restiez vraiment le dos le plus droit possible. Vous inclinez votre tête en avant et vous tirez. Ça devrait étirer votre nuque et un peu au milieu de votre dos. Alors, pas que tu fasses comme ça. Pendant que tu cherches un premier rythme, ton menton vers la tête, de vers le haut, la poitrine. Couche. Allons pour le droit. Je comprends pour toi, hein, quand j'ai la tête, il faut rester droit. Vous restez la buste, la tête, pardon, inclinée vers l'avant, vous orientez légèrement la tête sur le côté droit. Repassez par le milieu. Mais je comprends pas que les gens disent ça. Et de l'autre côté, tu appuies vers l'avant. Hein. J'appuie. Mais oui, t'as mal où ? Mais de me tenir droit, c'est pas possible. J'en ai marre. Je vais avoir un prof qui se moque pas. Sont de mon temps. Non, je peux pas mettre un deuxième. Ah oui, je vais faire avec ça. Replacez-vous doucement au milieu. Relâchez doucement vos mains. Relâchez votre tête. Allongez vos jambes.
couche. Dernier étirement ici, je vais relâcher mon pouce vers l'avant. Attraper mes pieds si je peux. J'ai les chaussons qui passent en cours. Tu chauffes partout, toi. Le cul dans la voiture, les chaussons. C'est pas une bonne manière. C'est la couverture. C'est la couverture de l'huile. Je vente. La bouillotte. La bouillotte de corps dans la maison. Ouais, non. Vous faites ton micro de la famille. Non, je peux faire marcher. Mais dès que vous êtes dans le trou, déjà, vous entendez parler. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de micro casque. Et bien, c'est un micro. Allez, doucement. On laisse votre tête. Inspirez. Et tirez-vous, je pense. Tirez-vous. Ah, mais bien aussi, là. Allez, on se tient par. Et relâchez. Voilà. Très bien. Bon, rapprochez vos talons des fessiers. Beau travail. Petite boule. Petit bonhomme. Le dos part vers l'arrière, la tête reste relâchée vers l'avant. Et on relâche. Très bien pour la partie stretch. Très bien, très c'est good. Hop là. Alors, pour la suite, renforcement musculaire pendant 30 minutes. Est-ce que les filles, vous avez à tout hasard avec vous des élastiques? Oh non. Non. Des haltères. Des haltères. Des petits poids. Oui, élastique, oui, poids. Oui, élastique, je vais avoir, oui. Élastique ou pas? Toi, t'as pas élastique? Non, non. Et des poids, tu as Je sais pas, oui, des bouteilles. Ouais, voilà, très bien. On va faire avec des poids, alors, plus comme... Ouais, s'il te plaît. Oula, moi, j'ai que celle de mon copain. Je vais enlever des poids, je crois. 25 kilos, parfait. Ouais, vu le truc, si tu veux... Oh, ben, c'est bien, tu vas tenir longtemps. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être enlever un peu. Un ou deux kilos, c'est suffisant, hein, les filles. Moi, je vais chercher mes trucs, alors. Je vais chercher les bouteilles. Yep. Paul, Princesse, c'est bon pour vous? Ouais. Des bourras? Oui, Nicole. Des petites bouteilles d'eau? Oui. D'accord. Des bouteilles d'eau ou des conserves, des boîtes de conserve si tu n'as pas ça? Ah, mais de quoi? De combien? Des conserves, ah, les plus grosses que tu as, des gros cassoulets, tu prends des... Non, des petites conserves. Salut Barbara. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tu vas revu? Oui, ça va. C'est ma copine, ça. Salut. Coucou Brigitte. Tu vois? Il y a Marie-Claude ici, j'ai pas vu. Donc, les filles, je ne sais pas si vous avez entendu pour le cours là qui suit. On va prendre des petites charges haltères, bouteilles d'eau, bouteilles de gaz. On est assez déprimés comme ça, arrête. Déprimés, quoi, tu vois. Allez, on est parti. Enfin, je me suis fait très. On met des chaussons ou pas? Oh là là, ça y est, j'ai pas fait avec toi. Merci. Je croyais que c'était pour lui, moi. Mais tu rêves, il est nous charger, c'est tout. Ta merde. Alors, dans un premier temps, on va y aller tranquillement, donc il n'y a pas besoin de basket sur le cours qui suit. On va commencer à genoux. Avec, bien sûr. Ça ne se porte pas, ça. Ah non, 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 tu peux les deux comme ça. Hein. Non, mais il en tout cas. Ah, non, mais ça, c'est très bien.
Je prends des options. Donc, vous attrapez ce que vous aviez. Moi, j'ai des haltères, donc je prends un halter. Si vous avez une bouteille d'eau, vous mettez votre bouteille d'eau devant votre poitrine. Très bien. Vous inspirez, vous relâchez bien les épaules vers l'arrière. Et on va se faire les bras au-dessus de sa tête. Et inspirez, vous relâchez. Gardez bien vos coudes serrés. Au moins un. Et on descend. Et deux. Si vous faites un montant, inspirez, descend. Trois. Oh, merde. On a perdu Anne. Mais je ne sais pas, je m'ajuste pour... Pourquoi je le vois ? Ben oui, tu vois quoi là ? Juste le haut, non ? Ouais, juste ouais. Le haut, ta tête et les bras. Ben, j'arrive pas, elle est inclinée, la tablette, à chaque fois, j'arrive pas à bien la mettre. Ouais. Mais si tu la mets droite, elle tombe vers l'avant. Ouais. Pas grave. Et puis tu veux pas quoi ? Oh, tu veux des gants ? Je suis complètement. On les a quoi sortis ? S'il y en a pour qui la position c'est désagréable, vous n'hésitez pas à basculer sur les fessiers. Restez bras tendus au-dessus de votre tête. Ici, vous gardez les coudes serrés, flexion ici, extension. Allez, je plie, j'allonge. Un. Tu vois, là, je sens. Hein. Deux. Mais l'autre jour. Ouais. Trois. C'est rien toi qui sonne. Rien du tout. Même pas une courbature aux triceps. Oh bah dis donc, de l'autre jour, là, les chaises. Ah non, j'ai pas eu de voir. Oh. Allez, inspire et souffle. Là, ça je suis, c'est bien. Ça m'empêche de couper. Ouais, ça t'en fait moins à faire, surtout. C'était pour du bar. On fait la aussi. Ah non. Ah mais tu veux. Il veut me devoir, ça. On contrôle la descente. Je sens la douleur dans le dos qui recommence. Je vais demander à au sergent. C'était... Deux. Trois petits vers l'arrière. On reste. Trois. Deux. Un. Et souffle remonte. Coude serré. Trois. Deux. Un. Encore. Trois. Deux. Un. Trois. Deux. Un. Et trois. Deux. Un. Encore. Trois. Deux. Un. Très bien, toujours 3, 2, 1. Quatre dernières. 3, 1, 2, 3, encore 2, 1, 2, 1. Et relâchez. Oh là là. Ok. Vous gardez votre halter ou votre bouteille d'eau devant vous. Ici, vous restez en jambes fléchies, remontez votre bassin. Hop. Et redescendez. En gardant votre dos droit. On pousse, on remonte. On inspire. Allez, souffle. Alors, n'essayez pas de basculer les fesses vers l'arrière en descendant votre buste en avant. Essayez vraiment de garder cet équilibre. Et d'avoir que l'engagement sur les quadriceps pour vous faire remonter et une contraction sur les ischios jambiers dans la descente. On serre ses abdos, on redescend. C'est plus possible là. Hein. Non, mais ça, c'est des clients. Des clients. J'ai pas les codes. Ah, j'ai pas les codes. Elle a pas les codes. Elle a pas les codes. Elle a pas les codes. J'ai pas les codes. Mais continuez, les filles. C'était pas possible.
Allez, encore. 3. Allez, la dernière. Parfait, relâchez doucement. Nickel. On va s'allonger cette fois-ci sur le dos, continuer avec notre travail sur les bras et nos haltères. Allez, allongez-vous. Attrapez. Alors, si vous avez une bouteille trop grosse, ça va peut-être être compliqué avec une seule main. Mais si vous pouvez vous attraper dans une seule main, la tête est relâchée sur le sol. Vous allez ouvrir sur le côté droit. Les bras, alors je vous montre de ce côté juste pour vous montrer. Le bras est légèrement fléchi. On ne pose pas le coude, on ouvre le plus possible l'avant-bras. Et je remonte. Ici, je vais faire une rotation, pomme de main vers l'avant. Je descends légèrement vers l'arrière et je remonte. Vous faites ça, bien sûr, avec la tête relâchée. Hein. C'était juste pour vous voir. Allez, on ouvre sur le côté. 1, 2, remonte. 1, 2, rotation, descend. 1, 2, remonte. Je vais avoir gagné tout le matériel. 1, 2, reviens. Derrière. Ouais. Et voilà, c'est bon. On a mis côté. Ouvre. 2, remonte. Et 1, 2, 1, 2, quatrième, devant, gardez votre ventre rentré tout au long de l'exercice, et de 5, 2, 2 temps pour détendre, 2 temps pour remonter, 1, 2, 6, 1, 2, voilà, 7, 1, 2, remonte, 1, allez, single sur le côté, 8 amplitudes sur le côté, on reste. 1, reviens. 2, souffle. 3, 4, 5, 6, souffle. 7, dans l'axe, pomme de main vers l'avant et on recule vers l'arrière. 1, doucement, n'allez pas trop vite. 2, pas d'élévation de l'épaule. 3. 4. On garde le ventre rentré dans le recul. 5. 6. 7. Sur le côté, on reprend. Pomme de main vers l'intérieur. Et 8. Soufflement. 7. 6. 5, 4, 3, 2, dernière, on reviendra dans l'axe, pomme de main vers l'avant et reculez doucement le bras vers l'arrière. 1, reculez quoi? 2, 3, 4, on contrôle la descente, on se laisse embarquer. 5, 7. Dernière fois, vous garderez le bras vers le plafond, placez votre main droite derrière votre nuque et remontez pour les abdominaux. Bras vers le plafond, remontez en descend. 1, 2, 3, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, encore une fois, 8 ici, 8, 7, allez, levez bien vos épaules, 6, 5, 4, 3, 2, dernière, et on gardera les épaules tout le temps décollées pour faire des petits mouvements. 1, 2, 4, 5, 6, 2 fois 8 encore. 1, gardez bien le menton décollé de votre poitrine.
5. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et relâche. Très bien. Relâchez. Changez votre charge de bras. Bras vers le plafond pour commencer. On va commencer la descente sur le côté. Allez, c'est parti. Sur deux temps, on descend. Pourquoi je me suis bloquée ? Ouvre, ouvre, reviens. Pourquoi ça fait ça ? Un, deux. Ah, voilà. Et vers l'arrière, on n'est pas que sur le côté, les chiens, pardon. Ouvre sur le côté, je reviens dans l'axe et vers l'arrière. Un, deux. Côté. Un. Un. C'est parce que ça, c'est pas efficace. Dernière fois, côté 1, 2. Alors, vers l'arrière. Et on reste vite sur le côté. Garde la pomme de main vers l'intérieur. Alors, on souffle et remonte. 2. 3. Renforce. Oui, moi aussi. Pourtant. 4. 5. 6. 10. On souffle à chaque fois qu'on remonte le bras. 7, une dernière fois, pomme de main vers, vers l'avant, pardon, et on descend en arrière. 1, serre les abdos. 2, 3, encore. 4, 5, 7, une dernière fois, reprenez la pomme de main vers l'intérieur et on descend sur le côté. 1, on revient. 2. On va me rouler dans le pipi, peut-être pas comme ça. Fais attention, t'as les poches. 5. 6. Souffle, remonte. Dernière, reviens dans l'axe, pomme de main vers l'avant et derrière. 1. 2. Non, mais je ne peux pas, elles sont occupées. Les deux. Ouais, elle stabilise. 4. Souffle. 5. 6. Dernière fois, gardez le bras vers le plafond, la main gauche à l'arrière de la nuque. Et on monte, on descend. 1. Décollez les épaules. 2. 3. On souffle. 6. Deuxième. 1. 2. 2. J'ai mis pour ma vie. C'est flappy. Mes 8 dernières ici. 8. 7. 6. 5. 4. 2. La dernière sur un temps. Et petit vers avant, on reste les épaules bien décollées. 1. 2. Forcez pas avec le cou. Deuxième. 1. 2. 3. 4. Troisième. Dernière. 8. Mais on a dû les mettre sur le radiateur. 5. 4. 3. 2. Et relâche. Impeccable. On repose. Secouez un petit peu vos bras si vous avez besoin d'étirer.
Sur la prochaine série ici, on va travailler les biceps. Vous allez placer votre charge dans votre main. Le coude, pour l'instant, est relâché sur le sol. Alors, si vous avez deux bouteilles, vous pouvez faire les séries en même temps, il n'y a aucun problème. Enfin, deux charges. Flexion ici, extension. Vous gardez bien les jambes pour l'instant posées sur le sol. Vous contrôlez, hein. On a quand même le plus facile avec le bras sur le sol. On souffle en descente. Sur la deuxième série, je viens décoller légèrement le coude. Je me place bien parallèle au sol. Et sur la dernière, je continue et je viens juste placer mes jambes à 90. Okay. Ça, c'est de trois séries. Tu veux faire avec les deux? Ben oui, j'ai les deux rouges. Allez, on y va? Eh, eh, eh. T'as oublié quelque chose? Allez, c'est parti. On prend les deux, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, monte. Un. Et contrôle. Deux. C'est pas plus lourd que moi. Un va et combien de 2 kilos 400 2 kilos 3 kilos 4 3 kilos. Bon, deux. Mais si j'ai deux sur les disques, plus ça va. Allez, souffle. Allonge. Oh, mais t'es prof. Hein. Tu peux, eh, peux te rajouter. Il y en a encore des rouges, moi. Tu peux rajouter quoi? Mais là, ça tient pas. Alors, encore 8. Moi, j'ai le ballon. Ah, on peut faire le ballon. 2. 3. Mais ça vient, mais ça vient, mais le ballon, je ne peux pas jeter ça comme ça. 5. Oh, mais je vais t'en faire celui-là. 6. 7. Allez, décollez vos avant-bras du sol. Hop. On est un tout petit peu décollé. Extension et flexion. Vous faites attention dans l'extension à ne pas faire d'extension complète. Il ne faut pas que votre avant-bras dépasse votre bras. On souffle. On inspire. On garde bien ses abdos. On fixe au maximum son bassin sur le sol. Quoi? Je me pète les bras. Non, mais pareil. Non, mais merci. Moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Non, mais t'as pas la faire. T'as pas le faire. Quoi. Mais c'est du fer, moi aussi. Non, c'est du plastique. Quoi. N'importe quoi. Allez, encore 8. 7. Je pense que Denis va avoir la main. 7. 4. 3. Ça n'a pas. Ça? On peut faire un coup. Allez, levez les jambes à 90. Et 8. 1. 2. 4. Oh. Non, mais prends-les, je te jure, c'est joli. Non, mais c'est trop lourd, quand même. Je vais mettre sur le chocolat. 8. Après, tu vas te brûler. 7. C'est fort. 6. 5. 4. 3. Oh là là. 2. Mais moi, gardez les bras le long du corps, décollez et remontez en dynamique. Votre buste. C'est lourd. Je ne peux pas, ça l'air trop lourd. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâche. Ah, c'est froid. Ah, mais c'est lourd. Si on change. Vas-y, c'est encore plus lourd. Non, pas du tout, c'est encore plus chaud. Changez votre charge de bras. Non, c'est trop lourd. Je ne peux même pas le lever. Tu vas y arriver. Tu prends un coup de ça. Non, mais l'autre. C'est gelé. On change de bras? Et quelle chouchoute. Elle est de toi. Ah. Allez, coup de sol, on a changé notre charge. Oh, oh, je peux même pas les soulever. Tu es au sol, allez, c'est parti, montez, descendez. Ah, j'en réfléchis. Elle est folle. Moi, je suis devant, là. Oh, pfff. On va pas trop bas. On va pas trop bas. Tu vois pas comment ça va trop bas. Mais je vais pas bas. Non, mais quand tu touches le sol, ça va être bas. Je suis pas touchée le sol. Allez, elle était dure. Elle était dure. C'est trop lourd pour moi. Avant d'être trop lourd, tu trouves pas ça trop froid? Non, non. C'est trop lourd. Mais trop fou.
Je les sens plus. Elles sont froides, mais c'est pas le froid qui me gêne. Ah putain, c'est le lourd. J'ai les mains tétanisées de froid. Oh, c'est trop léger, ça. Ça me chatouille des épaules. Et les biceps. Tu tiens jusqu'au bout. Oh. Allez, encore 8. Tu verras, quand tu seras mal. 6. On serre ses abdos. Allez, à fond les ballons. La dernière. Combien est-ce qu'il vaut, là, tu... Découlez vos épaules. Vos épaules, pardon. Vos coudes du sol et quelque chose. Décolle pas. Ah, tu vois, tu admets que c'est beaucoup trop lourd. C'est pour ça, oui. Donc, on a les coudes décollés. Les avant-bras restent bien dans les dans l'allongement. Pardon. Et on a 6 kilos dans chaque bras. Là. Oh, ça coûte quoi? Mais qui c'est qui a mis tout ça aussi? Allez, souffle. Ouh, c'est un peu trop. Entre la 3, c'est 2. Ça fait 2 fois, 2 fois une bleue, hein, quand même. Bah oui. Oh, c'est bien. Je suis pas sûre, quand même. On est en de loin, celle-là. Vite fait. Allez, courage, courage. 6, en fonction des charges que vous avez, ça va être plus ou moins facile. 4, 3, 2, allez, décollez vos pieds. Continuez ici la flexion extension. 1, 2. Tu vas voir, après, quand je fais par temps.5, 6, 7, 4, 3, 2. Allez, restez bras tendus et monte. 1. Bon, parce que moi je peux pas monter avec ça. Hein. Je fais rien là. Si, mais ça quand même. Ah bon? Ah, bah oui. 2. Je peux pas me charger, charge comme ça. Et 8, 7, 6. Mais c'est beau, 4, vous tout ça, 3, 2. Et relâchez. Vous m'aimerez bien déjà, c'était mieux de tout faire le chemin. Mais c'est toi qui as dû mettre 2 là, la dernière fois. Oui, pour que tu te ça. Ah non. Vous n'étiez pas mise. Ok, vous pouvez vous redresser. Hop, attrapez vos bras ici, on va étirer un petit peu. Bras dans le dos et poils reculés. Prenez une position confortable à un appui. Sur les fessiers. Relâchez doucement. On appuie sur les fessiers. Bras devant vous. Et ben, les fessiers, ils touchent. Hein. Ouais, mais pas que les fessiers. Ah, mais ça fait une... Allez, bras ici. On a fait la blanche vive. Ah. Mais c'est vrai. J'arrive pas à me chauffer avec ça. Pique. Non plus. Hein. C'est bon, mais c'est bizarre, hein, c'est le front. Tu sais les trucs que tu mets dans les glaciers? Ben, les blocs. Ah, je cave. Non, mais c'est parce que c'est. Je suis en train de faire une autre chose. Tu peux me toucher. Il a vu, ça me fait que tout à l'heure. Relâchez le même bras ici vers l'arrière. Si c'est pareil, je le mène là quand même. On lâche doucement. Allez, devant l'autre bras. Parce que le temps que les choses arrivent,
Je pense que je vais pas faire mieux. Je crois peut-être que je vais la faire. Je suis sûre. C'est là pour vous. Ah, elle décontraint. Elle m'écoutera. Elle m'écoutera. Alors, on relâche vers le haut. Ok, relâche doucement. Parfait. On basculera accroupi. Peut-être pour la question, on va faire un petit tour. Laissez vers le plafond, tendez les jambes. Les jambes, déroulez doucement votre dos. Pensez à bien relâcher la tête. Inspirez, montez les bras. Attrapez vos mains au-dessus de votre tête. Les jambes, inclinez la droite. On a vu qu'il y en avait aussi. Peut-être qu'ils sont en train. Je ne sais pas, on a regardé comme. Elle a mis la main dedans. Elle a pris une main. Oh, là, c'est bon. Et relâche. Très bien. Parfait pour cette petite session de renfort, les filles. Merci beaucoup. Et les garçons.